Shalom, beloved in the Lord. Welcome to this series called The Role of the Prophetic in the Church. Throughout this series, you'll go through a journey where you'll discover what the prophetic is, why it is important in the life of a believer, why a believer needs to be able to hear from God and also to transmit and to imprint what God has laid on his heart. You'll also understand how God will lead you to the accomplishment of the prophetic word, why it is important to have to certainty in the word that God has laid on your heart. And finally, you understand that being prophetic, you have to go through an apprenticeship. You learn it through, it is a journey through which you have to go through. So follow this series and be blessed. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue dans la série sur le rôle du prophétique dans l'Église, au travers duquel vous ferez un voyage du début lorsque nous comprendrons pourquoi il faut avoir la certitude dans la parole prophétique, qu'un enfant de Dieu peut aussi avoir la capacité de devenir prophétique, d'entrer dans une dimension dans laquelle il peut non seulement lire, mais aussi comprendre et interpréter ce qui est dans le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important dans la vie de l'Église? Pourquoi est-ce que c'est important dans notre vie individuelle? Et comment est-ce qu'au travers du temps, nous devons devenir la personne qu'il faut afin de parvenir à l'accomplissement de la prophétie? Alors suivez cette série et soyez bénis. Nous allons lire la parole de Dieu. We'll read the word of God. On va prendre notre texte de base. We'll take our basis text. Dans 2 Pierre au chapitre 1er. 2 Peter 1. On va lire les versets 19. And we'll read verse 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On va prendre un deuxième texte. We'll read the second text. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. On va lire le verset 11. We'll read verse 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Très bien. Nous sommes en train de parler sur le prophétique. We're speaking about the prophetic. C'est-à-dire l'importance du prophétique dans l'Église. The importance of the prophetic in the church. Nous sommes dans notre texte de base. We are in our basis text. 2 Pierre au chapitre 1er. 2 Peter 1. Au 19e verset. Verse 19. En réalité, on avait commencé à partir du 17e verset. In reality, we started from verse 7. Jusqu'au 19e verset, pardon. Until verse 19. Et là, notre pensée se repose sur les 19e verset. But now thought relies on verse 19. Nous étions en train d'expliquer. We were explaining. Combien Pierre how Peter est en train de fortifier les gens qui étaient en train de s'affaiblir. Was strengthening those that were weakened. Dans leur marche avec Dieu. In their walk with the Lord. Dans leur foi chrétienne. In their Christian faith. Et on avait dit ceci. And we also said que Pierre est en train de dire that Peter was saying, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. We hold for more certain the prophetic word. Dans laquelle vous faites bien de prêter attention. To which you need to heed to. On avait parlé premièrement de la certitude. We spoke firstly about certitude. Que ceux-là qui reçoivent les paroles prophétiques doivent avoir. That those that receive the prophetic word need to have. Et deuxièmement, and secondly, on avait parlé de l'attentionnement qu'on doit accorder à la parole prophétique. We also spoke about the care that we should put to the prophetic word. Et par ricochet, on avait dit ceci. And we also said, l'attention qu'on accorde à la parole prophétique, the attention that we give to the prophetic word, nous amène à travailler notre caractère. Will lead us to work on our character. C'est-à-dire, which means, la personne qui reçoit une parole prophétique, the person that receives a prophetic sans word, oublier que la parole prophétique est une prédiction, without forgetting that the prophetic word is a prediction, en réalité, cette personne, in reality, that person, doit incarner, needs to incarnate, la personne de l'accomplissement de la prophétie, the person of the accomplishment of the prophecy. Alléluia. Hallelujah. La personne de l'accomplissement de la prophétie. The person of the accomplishment of the prophecy. Pourquoi? Parce que quand Dieu te parle, why? Because when God speaks to you, tu as une certaine vie, you have a certain life, une certaine façon de vivre, a certain way of living, qui diffère de la vie que tu auras lorsque la prophétie va s'accomplir. That differs from the way you will live when the prophecy will be accomplished. On avait pris comme un personnage phare. We took as our key character. Je reviens souvent sur la personne de David. I often go back to David. Et aussi sur la personne d'Abraham. And also on the person of Abraham. Qui lorsqu'ils ont reçu des paroles venant de la part de Dieu, when they received the word from God, ils avaient une certaine vie, they had a certain way of life, mais par le mystère de l'accomplissement, but through the mysteries of the accomplishment, Dieu voulait voir dans la vie de ces personnes, God wanted to see in the life of these people, une autre mentalité incarner leur personne. Another mindset in their person. Mais cela n'est pas un travail que Dieu fait. But that's not a work that God does. Mais par contre un travail,
but a work que nous les hommes nous devons faire. That we as men have to do. Aujourd'hui, je vais aborder le troisième point. Today I will speak about a third point. Sur le même sujet, sur le même texte. About the same text. Le troisième point. The third point. La Bible dit ceci. The Bible says. Comme une lampe. As a lamp. Qui brille dans les lieux obscurs. That brightens in a dark place. Notre troisième point. Our third point. Nous parle de ce qu'est la parole prophétique. Speaks about what the prophetic word is. Ici, on est en train de définir même la parole prophétique. And here we're even defining the prophetic word. Pierre donne une définition. Peter gives a definition. En disant que la parole prophétique. Saying that the prophetic word. Est comme une lampe. Is as a light. Nous le savons très bien. We know it very well. Qu'une lampe éclaire. That a lamp brightens. Et il précise en disant ceci. And he precises saying this. Comme une lampe. As a lamp. Qui brille dans un lieu obscur. That shines in a dark place. Lorsque quelqu'un. When someone. N'a pas une parole prophétique. Does not have a prophetic word. Lorsque quelqu'un n'a pas une révélation sur sa vie. When someone doesn't have a revelation on their life. Sur son devenir. On their future. Sur ce qu'il doit être dans le futur. About who that person has to become in the future. Concernant ce que Dieu pense de lui. About what God thinks about him. La personne est dans une forme de ténèbres. That person is in some kind of darkness. Écoutez ce que la Bible déclare dans Ésaïe au chapitre 9 au verset 1er. Listen to what the Bible says in Isaiah 9 verse 1. Dans notre version, c'est Ésaïe au chapitre 8 au verset 23. In other versions, it's Isaiah 8, 23. Nous allons prendre Ésaïe au chapitre 9 au verset 1er et 10 pépé. We'll take Isaiah 9 verse 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. The people that lived in darkness. Voit une grande lumière. Saw a great light. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. On those that lived in the shadow of death. Une lumière resplendit. A light splendid. Vous allez remarquer ici. You'll notice something here. Voyons un peuple. A people. Qui est dans les ténèbres. That were in darkness. Mais qui voit la lumière affectée. But that saw a great light. De personnes qui étaient aussi dans les ténèbres comme eux. Affecting people that were also in darkness just like them. Ils sont dans les ténèbres. They were in darkness. Ici vous allez remarquer une chose. Here you will notice something. On utilise deux mots. We use two words. Ou deux tendances qui parlent de la même chose. Or two tendencies that speak of the same le thing. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. The people that walked in darkness. Être dans les ténèbres. To be in darkness. C'est vivre une absence de la lumière. It is to live a lack of light. C'est là où il y a l'absence de la lumière. It is where light is lacking. J'aime souvent les ténèbres dans la Bible, c'est toujours écrit au pluriel. I like the way darkness is written in French in the Bible. It is written in plural. Vous savez pourquoi? You know why? C'est parce qu'il y a plusieurs sortes de ténèbres. Because there's many types of darknesses. Tu peux avoir de l'éclairage dans un domaine quelconque. You may have some light in a certain domain. Mais dans un autre domaine, tu es dans les ténèbres. But in another domain, you are in darkness. Je vais m'expliquer. I will explain. On dit. It is said. Le peuple qui marchait. The people that walked. Dans les ténèbres. In the darkness. Voit une grande lumière. Saw a great light. Ils sont dans les ténèbres. They were in darkness. Mais ils voient une lumière. But they see a great light. Un peuple dans les ténèbres. A people in mais darkness. Mais ils voient de l'autre côté. But on the other side. Une lumière. They saw a light. Qui affecte. That affected. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Those that lived in the land of the shadow of death. C'est-à-dire ceux qui sont dans les ténèbres. So that were in darkness. Ceux qui sont dans des difficultés. Those that were in difficulty. Ceux qui sont dans des problèmes. Those that were in problems. Et ils n'arrivent pas à savoir quoi faire et comment s'en sortir. And they struggle to find out how to get out of these. Ils voient de l'autre côté. And they see on the other side. Les gens qui étaient dans la même situation. Those that were in the same situation. Être affectés par une lumière. Being affected by a light. Et pour que ces gens soient affectés par une lumière. And for them to be affected by a light. En réalité, il faut qu'il y ait quelqu'un. In reality, there has to be someone. Qui doit venir amener cette lumière. They will come to bring that light. Et quand la lumière vient, and when that light comes, la lumière éclaire. That light brightens. Et quand nous sommes éclairés, and when we are enlightened, nous allons avoir la connaissance. We will have the knowledge de ce que nous voyons. Of what we see. Admettons, on éteint la lumière ici dans cette pièce. Let's admit we shut down the lights here. Lorsqu'on va allumer la pièce, and when we'll put the light lorsqu'on on, va allumer la lumière, when we'll put the light back tu vas voir on, tout ce qu'il y a en ce lieu. You will see everything that's in this place. Et comme tu vas voir tout ce qu'il y a en ces lieux, and when you'll see everything that's here, tu auras directement la connaissance you will have the knowledge des choses qui se trouvent dans le lieu. Of what is in the place. Alors si la prophétie, so if the prophecy, selon Pierre, according to Peter, est une lumière is a light, ou brille comme une lampe, that shines like a lamp, c'est que la prophétie, it means that the prophecy vient nous donner
un éclairage. Comes to bring us some light. Ça vient nous illuminer. It comes to enlighten us. Par rapport à nos ténèbres. About our darknesses. Et là, nous définissons les ténèbres. And now we define darkness. Différemment dans la vie de chaque personne. Differently in each person's life. Mes ténèbres ne sont pas tes ténèbres. My darkness may not be your darknesses. C'est-à-dire là où je suis pas illuminé. Where I'm not enlightened. Là où je n'ai pas la connaissance. Where I lack knowledge. Dans un sujet quelconque. In a certain subject. Peut-être c'est pas le cas pour toi. Maybe it may not be your case. Alors à chacun ses ténèbres. So to each their darknesses. Maintenant quand la parole prophétique vient. Now when the prophetic word comes. On dit que c'est une lumière. It is said that it is a light. Cette lumière te permettra. And that light will allow you to. De pouvoir avoir une certaine connaissance. Have a certain knowledge. Une connaissance. A knowledge. Qui t'amènera. That will lead you. Avoir une certaine qualité de vie. To have a certain quality of life. Qui ne peut pas ressembler. That cannot resemble. À la vie que tu avais avant. To the life you had before. Parce que la lumière. Because the light. Vient éclairer. Comes to brighten. Et par cet éclairage. And through that enlightenment. Tu auras une connaissance. You will have a knowledge. Des choses qui se trouvent dans le lieu obscur. Of what is in the dark place. Mais ces lieux-là ont été obscurs autrefois. But that place was dark before. Et à cause de la lumière. And because of the light. Tu reçois un éclairage. You receive an enlightenment. Et une connaissance. And a knowledge. Maintenant, lorsque cette connaissance vient, now, when that knowledge comes, cette connaissance that knowledge commence du fait que tu es au courant starts with you being aware de ce que tu deviendras. Of who you will become. Vous savez, you know, quand vous partez dans les églises prophétiques when you go to prophetic churches, où il n'y a pas la parole, where there's no word, où on n'enseigne pas la parole, when the word is not taught, les gens entendent des prophéties, people will hear prophecies sur leur vie, about their lives, ce qu'ils deviendront, of who they will become, ce qui se passe dans leur vie, what is going on in their lives. On leur montre souvent deux choses. Often two things are shown. La première des choses, firstly, on leur montre, we are showing them, qui a fait en sorte que leur vie soit en tant que telle, who led them to have that status of life that they have now, que leur vie soit une vie de malheur, that their life is a life of c'est la première des choses qu'on leur montre, that their life is unfortunate. La deuxième des choses qu'on leur montre. Secondly, ce qu'ils deviendront. Who they will become. Mais le problème c'est quoi? But what is the problem? On ne leur montre pas. They are not shown. Comment faire pour quitter cette situation? How to leave that situation? Oh, pour quitter cette situation. But to leave that situation. Il faut rencontrer. You need to encounter. Faire connaissance. Or be acknowledged. Au changeur. To know the one that changes. Je dis bien au changeur. To one that the one that changes. Des situations difficiles. The one that changes difficult situations. Au changeur. The one that changes. Des situations compliquées. Complicated situation. Regardez ce que Jésus dit. Look at what Jesus said. Luc chapitre 4, mettez-moi le verset 18 et 19. Luke 4, 18 and 19. On va avoir un aperçu par rapport à cette pensée, je vais expliquer. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Écoutez bien, bien le Seigneur. Listen, beloved. Vous voyez tout ce qu'on vient de lire? You see what we just read? Ça parle de la mission de Jésus. It speaks about Jesus' mission. Donc en réalité, le Seigneur sait. So in reality, Jesus en venant knows, sur la terre, when coming on earth, en mourant à la croix, and while dying on the cross, il connaît les besoins. He knows the needs. Il connaît les manques. He knows what we're lacking. Il connaît les problèmes. He knows the issues. Que l'humanité souffre. That the humanity goes through. Alors il a un plan. So he has a plan. Un canevas. A canvas. Par rapport à ce qu'il va accomplir. About what he will accomplish. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? What is marvelous. Lorsque le Seigneur est en train de parler. When the Lord was speaking. C'était au début de son ministère. It was at the beginning of his ministry. Après son jeûne et prière. After his fasting and praying. Au verset premier de ce chapitre. In verse one of that chapter. On parle comment est-ce qu'il était parti prier et jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. It is said how he went to pray for 40 nights and days. En sortant, il est parti à Nazareth. And as he left, he went to Nazareth. Dans la ville où il a grandi. In the town where he was raised. Et il a prononcé ces paroles. And he said these words. Ces paroles ont laissé les gens stupéfaits. And these words left people astonished. Il a donné un canevas. He gave a plan. Il a expliqué ceci. He explained. L'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is on me. Dieu m'a oint. God anointed me. Dieu m'a mis à part. God set me apart. J'ai été mis à part. I have been set apart. J'ai été retiré. I have been removed. De la divinité. Of divinity. Restons dans la divinité. While staying in divinity. Parce que Philippiens chapitre 2. Because Philippians 2. Verset 6 déclare ceci. Verse 6 declares. Ayant existé en forme de Dieu. While existing in form of God. Il n'a pas tenu compte. He did not take for account. Égalité avec Dieu. His equality with C'est-à-dire God. Il est Dieu. He is God. Mais pour accomplir la mission. But to accomplish the il mission. Il faut un pas dans
dans l'humilité. He needs to have a step. Ressembler à l'homme. In humanity. Venir comme un homme. To look like man. To come mais as il a man, garde sa divinité. But he keeps his c'est divinity. Sa divinité. It's divinity. Qui fera en sorte que. Will allow him to. La mission soit accomplie. Have the mission to be accomplished. Mais la mission. But the mission. A des paramètres. Has parameters. Il y a un canevas à respecter. There's a canvas that needs to be là où ça va commencer. Where it will start. Et là où ça va s'arrêter. And where it will finish. Mais cette parole. But that word. Est une prophétie d'Ésaïe 61. It's a prophecy of Isaiah 61. Au verset 1 à 2. Verse 1 and 2. Quand Ésaïe a parlé. When Isaiah spoke. Ésaïe a parlé aussi des choses. Isaiah spoke also qui arriveront après l'enlèvement. That will happen after the church will be taken. Un temps de vengeance. A time of revenge. Mais quand Jésus parle. But when Jesus was il ne speaking, parle pas des temps de vengeance. He did not speak about that il time. Parle vraiment. He spoke for real. De ce qu'il allait accomplir. About what he would accomplish. Dans son ministère terrestre. It is on his et même lorsqu'il partira. And even when he would leave. Il ne nous laissera pas orphelins. He would not leave us at orphans. Ces choses vont continuer. These things will continue. Maintenant la problématique c'est quoi? Now the problem is what? Il faut proclamer la délivrance. We need to proclaim deliverance. Il faut recouvrir la vue des aveugles. The blind need to see. Il faut renvoyer libre des opprimés. Those that are oppressed need to be set free. Jésus le sait. Jesus knows it. Mais comment ces choses commencent? But how will these things start? Comment ces choses doivent se faire? How should they happen? Est-ce que l'impact de ces choses? The impact of these things. Se fera. Will be parce que on a connu les sorciers de notre famille. Because we will know the sorcerers of our families. Ou parce que on connaît comment est-ce que Dieu va procéder. Or because we will know how God will proceed. Pour nous sortir de ce gouffre. To take us out of that pit. Raison pour laquelle Paul dit ceci. Which is why Paul said. Dans Romains au chapitre 1er. In Romans 1. Au deuxième et troisième verset. Second and third verse. Il dit l'évangile. He said the gospel consists. À parler, à présenter la personne de Christ. Of presenting the person. Of Christ. Or, lorsqu'on parle de Christ, but when you speak about Christ, on parle en réalité, we speak in reality de ce qu'il va accomplir, of what he will accomplish. C'est pour cela la Bible dit, which is why the Bible dans says, 2 Corinthians chapter 5, in 2 Corinthians 5, verse 16, verse 16 qu'il ne faut pas regarder, that we should not consider Christ, selon la chair, Christ according to the flesh, et ni personne selon la chair, nor anyone else according parce to the flesh. Tu regardes selon la chair, because when you consider according to the flesh, tu ne verras pas ça. You will not see this. Tu ne verras pas la mission. You will not see the mission. Tu auras certitude. He will be uncertain. Par rapport à ce qu'il était venu accomplir. About what he came to accomplish. Pour le bonheur de l'humanité. For humanity's ça demande happiness. Un éclairage. It demands an enlightenment. C'est-à-dire une connaissance. A knowledge. C'est cette connaissance-là. And that knowledge. Qui nous approche. Will take us further. Pas à pas. Closer step by step. De l'accomplissement de la prophétie. To the accomplishment parce of the prophecy. Parce que la prophétie est là. Because the prophecy mais is here. Mais la personne here. Qui reçoit la prophétie. But the person that receives it. Sa mentalité est enchaînée. That mindset is changed. Sa vie est enchaînée. That life is la personne changed. Est attachée à la famille. That person is attached to the je family. Parle des réalités. I'm speaking about realities. Je parle des comportements. I'm speaking about behavior. Je parle des caractères. I'm speaking about character. Je parle des habitudes. I'm speaking about je habits. Vous avais dit ici. I said it here. Abraham a menti. Abraham lied. Isaac a menti. Isaac lied. Jacob a menti. Jacob lied. Et les enfants de Jacob. And Jacob l'ont aussi menti. They also lied. Que Joseph him. Était mort. That Joseph died. Or Joseph était vivant. But Joseph was alive. Une succession de mensonges. A succession. Mais qu'est-ce que Dieu cherche dans la vie d'une personne qui est en Christ? Maintenant le verset 17 dit ceci. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ces choses-là tombent. Mais à quel niveau on peut constater que ces choses sont tombées? Notice that these things fell. À quel niveau ces choses tombent? On which level do these things fall? Parce que quand ces choses ça tombe, because when they fall, il y a quelque chose qui se passe. There's something happening. On se débarrasse des vêtements, we take off the clothes qu'on a utilisés étant berger, that we used when we were shepherds. On prend les vêtements de Jonathan, and we take Jonathan's clothes. David rencontre Jonathan. David encountered Jonathan. 1 Samuel chapitre 18. First Samuel. Il finit de parler avec Saül. And he finishes to speak il venait de tuer Goliath. He just killed Goliath. 1 Samuel 17. First Samuel verset 17, 55. Verse 55. La Bible dit. The Bible says. C'est qui ce jeune homme? Who est-il fils? Is this son of? C'est bien.
It is good. Mais la course n'est pas finie. But the course is not end. Il faut aller à la prophétie. We need to reach the prophecy. Il faut rencontrer la prophétie. We need to encounter the prophecy. C'est la royauté. It is royalty. Tu as tué Goliath. You killed Goliath. Tu n'avais pas besoin de vêtements. But you did not need any clothes. Les Jonathan. You did not need Jonathan's clothes. Mais pour devenir roi. But to become a king. Tu as besoin des vêtements de Jonathan. You need Jonathan's clothes. Le caractère de Jonathan. His character. Le caractère d'un prince. The character of a prince. Parce que lui il sait. Because he knows. C'est le fils du roi. He's the son of the king. David. David, tu n'as jamais été le fils du roi. You have never been a king's son. C'est ça notre problème. And that is our issue. On n'a jamais été la personne que Dieu veut. We have never been the person that God wants. On n'a jamais été la personne prophétique, the prophetic person que Dieu cherche. That God is looking et for. On doit les devenir. But we need to become that person. Ouais, le processus. You see the procedure. Tout commence. Everything starts par la certitude. With the certitude de la prophétie. Of the prophecy. Nous tenons. We hold for certain. Plus d'autant plus certaine. We hold for certain. La parole prophétique. The prophetic word. Deux. Secondly, nous prêtons attention. We à la parole prophétique. To the prophetic word. Alors en prêtant attention à la parole prophétique. So while being careful about the prophetic on cherche word, à entrer dans cette lumière. We try to enter into that light. Ou à venir là où il y a la lumière. Or to get closer to the light. Parce que la parole prophétique est une lumière. Because the prophetic word is a light. C'est là où je cherche un moyen. That's what I look for me. Mais je trouve ça normal. I find it not normal. Quelqu'un sait bien dessiner son visage. Someone can do that makeup very well. Pour se maquiller. To, yeah, someone quelqu'un can sait mentir. Well. Someone can lie. Mais il ne comprend pas la parole de Dieu. But that person does not understand God's word. Maintenant la prophétie est une lumière. Now, when a prophecy is a light. Écoutez. Listen. Si on reste vraiment à cette dimension, if we stay at that dimension, c'est que lorsque je reçois la prophétie, it means that when I receive the prophecy, la prophétie m'éclaire. The prophecy enlightens me. Et ça s'arrête là. And it stops there. Cette lumière, that light, nous éclaire. Enlightens us. Éclaire les lieux obscurs. It enlightens the dark place. Les lieux obscurs. The dark place. C'est notre ignorance. That is our ignorance. C'est tout ce que l'ennemi amène. It is all that the enemy pour brings. Que nous soyons ignorants. For us to remain ignorant. Mais cette lumière là, c'est qui? But that light is who is that light? C'est Jésus. It is Jesus. Mais l'objectif c'est quoi? Now our aim is what? Jésus dit ceci. Jesus said. Vous êtes la lumière de ce monde. You are the light of the world. Parce que lui-même il est la lumière. Because he himself is the light. Ok. J'ai dit tout à l'heure quoi? What did I say earlier? Si quelqu'un est en Christ. If someone is in Christ. Donc si Jésus. So if Jesus est une lumière. Is a light. Et que je suis en lui. And that I am in c'est him. C'est comme ça que je deviens lumière. That's how I become a light. Et quand well. Je deviens lumière. And when I become a light. Les ténèbres ne peuvent plus. Darkness can no longer. Occuper mon territoire. Occupy my territory. Mais notre problème c'est quoi? But what is our issue? Parce que je suis en Christ. Am I in Christ? 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthians 13, verse 11. Écoutez les problèmes. Lorsque j'étais un enfant, when I was a child, je parlais comme un enfant. I spoke as a child. Écoutez. Listen. Je parlais comme un enfant. I spoke like a child. Un. Firstly. Je pensais comme un enfant. I thought like a child. Deux. Second. Je raisonnais comme un enfant. I was reasoning as a child. Trois. Three. Il y a trois choses. There are three things. Qui doivent être traitées. That need to be treated. Ta façon de parler, the way you speak, ta façon de penser, the way you think, et ta façon de raisonner, the way you reason. Or, ta façon de parler, but the way you speak, est liée à ta façon de raisonner, is linked to the way you think. Parce que la pensée, because your thought, c'est ce qui est interne. Your mind is what is internal. La pensée en grec c'est logos. The mind in Greek is logos. Et lorsque c'est logos, but when that logos, qui est une pensée, that is a thought, sort de nos bouches, comes out of our mouth, ce n'est plus une pensée. It is no longer a ça thought. Ça devient une parole. It becomes a word. La troisième des choses. Now thirdly, on a dit. It is said. Je parlais premièrement. I spoke firstly. Je pensais. I thought. Et je raisonnais. And I reasoned. Ça me choque. That shocks me. Il y a une tautologie. There is. Penser et raisonner, c'est la même chose. Thinking and reasoning is the same thing. Je vais vous expliquer. I will explain it to you. Lorsque j'étais un enfant, as I was a child, ici, here, on pouvait dire, hein, it could have been said, lorsque j'étais un enfant, as I was a child, je pensais, I thought, comme un enfant, like a child, je raisonnais, and I reasoned, comme un enfant, like a child, et je parlais, and I spoke, comme un enfant, like a child, parce qu'on pense avant, because we think first, on raisonne avant,
and we reason first. Mais c'est quoi ce problème là? But what is that problem? Penser et raisonner. To think and to reason. Ce que je pense. What I think. Il y a ce que je sais. Is linked to what I know. Ce que je raisonne. And what I reason about. Il y a ce que je suis. Is linked to who I am. Ce que je pense. What I think about. Il y a ce que je sais. Is linked to what I know. C'est la connaissance que j'ai. The knowledge that I have. Bien aimé, tu fonctionnes à la limite de tes connaissances. Beloved, you function according to your knowledge. Et tu raisonnes. And you reason. Sur base de ce que tu es. Based on who you are. Ce que tu es, c'est ton identité. And who you are is your identity. Ah, il est congolais, hein? Oh, he's a Congolese. Il parle comme des Congolais. He speaks like a Congolese. Il fonctionne comme des Congolais. He functions like ah, les Congolais sont toujours comme ça. Congolese are always ah, like that. Ah, je connais les Camerounais. Oh, I know Cameroonians. Ah, mais je connais les Luxembourgeois. I know Luxembourgers. Quand tu parles dans les églises au Luxembourg, when you go to churches in Luxembourg, où les pasteurs sont luxembourgeois, where the pastor is Luxembourg, tu ne verras jamais qu'ils ont fait une veillée de prière, une nuit de prière. You'll never see them having a night vigil. C'est leur façon. That is their way. D'être. Of being. Vous savez pourquoi? You know why? Parce qu'ils raisonnent comme ça. Because that's the way they reason. Cela est lié à leur culture. It's linked to their culture. Alors quand on dit, so when we say, je pensais, I thought, je dis ceci, I said, tu penses, you thought, par rapport à ce que tu connais, you think according to what you know, ce que t'as appris, what you learned, mais tu raisonnes, but you reason, sur base de ce que tu es, according to who you are. Mais on a dit ici, but we said, c'est la nature d'un enfant, it is the nature et ça of te a permet child, de parler, and it allows you to maintenant speak. Le parler dont je parle, now that speaking we're talking. Ce n'est pas les simples paroles qui sortent de ta bouche. It is not just simple words that come out of your mouth. Le parler dont je parle, the words that I'm talking ce sont about, des actions que tu poses. It, these are actions that qui sont liées that are linked à ta culture, to your culture et à tes connaissances. And to your knowledge. C'est pour cela que quand quelqu'un est en Christ, and that's why when someone is in Christ, il faut placer en lui une autre connaissance. We need to place in him another knowledge. Cette connaissance-là fera un vide. Will leave ça va détruire spot. It will destroy les mauvaises connaissances qu'ils ont. The wrong knowledge that they les have. Connaissance qu'il a. The wrong knowledge that that person has. Je m'explique. Je t'entends dire ceci. I was saying. J'avais dit que l'évangile. I said that the gospel. C'est Jésus. Is Jesus. Romains chapitre 1er. Romans 1. Verset 2 à 3. Verse 2 to 3. Maintenant, je reçois Jésus. Now I received Jesus. Jésus avait dit. Jesus said. Je suis venu briser. I came to break. Rendre libre les opprimés. To set free those that are oppressed. Apporter la délivrance. To give deliverance. Mais comment cette délivrance va venir? But how will that deliverance come? Je suis en train de dire. I was saying. Il faut. They need. Lorsque quelqu'un est enchaîné. When someone is in chains. Lorsque quelqu'un est dans une prison. When someone is in a prison. Il fonctionne comment? How does that person function? Selon la mentalité des prisonniers. According to the mindset of il va se vêtir. He will be dressed. Selon les prisonniers. Like prisoners. Il va commencer à parler. He will speak. Selon les prisonniers. Like prisoners. Maintenant pour changer sa mentalité, now, c'est quoi? To change his mindset. Il faut les sortir de la prison. He needs to be taken out of et the prison. Et quand tu vas les faire sortir de la prison, and when you will take him out, tous les jours il va se réveiller à l'heure de la sonnette de la prison. Every day he will wake up according to the alarm that rang. Il faut maintenant now, lui apporter une autre connaissance. He needs another knowledge. Pour détruire cette connaissance. To destroy the knowledge that et he has. Et à chaque fois que tu vas commencer à le reprocher. And every time you will reproach him. À le reprocher. Reproach him. Il ne changera pas. He will not change. À un moment donné. At some point. Il va refuser les reproches. He will refuse your reproaches. Mais il faut lui apporter une autre connaissance. And you need to bring him another knowledge. En lui montrant ce qu'il faut faire. While showing him what to do. Et en posant des actes. And while doing actions. C'est ce que Jonathan. That's why Jonathan did. Il voit David. He saw David. Au lieu de dire à David, instead of saying to tu David, es mal habillé, you are not dressed il well, dit à David, he says to David, prends mes vêtements, take my clothes, prends mon épée, take my sword, prends mon arc, take my arm, prends ce qui est à moi, take what is mine, ce qui fait ma fierté, what is my pride. Vous savez, dans nos églises, you know, in our churches, beaucoup de personnes disent, a lot of people say, ah, l'autre là, oh, that person est mal habillé, is not dressed well, mais j'ai peur de lui donner un conseil. I'm afraid to je peur de lui dire. I'm afraid to tell l'autre là oh, a tel one, problème. She has that kind of mais quand on lui dit, but when we tell il y a un person, problème. There's another issue. Soit c'est la manière de communiquer. It's either the way we communicate. Soit le manque de tact. Or the lack of tact. Ou je dirais plus de la personne de la vie de la personne qui reçoit. Of the person that receives. Les anges, les gens sont déjà braqués. These people are already closed. Je sais que je suis comme ça. I know that I'm that je way. Je raisonne comme ça. I reason that way. Et je pense comme ça. And I think that way. C'est-à-dire ma culture. Comme ça, so my culture is that way. Ce que j'ai appris, c'est ça. What I learned is this. Maintenant, pour sortir du gouffre, now to come out of that pit, c'est là où Jésus dit, that's where Jesus je viens says, proclamer une année de grâce I came to proclaim a year of grace, pour que ces choses tombent. For these things to fall.
Lord. Et la grâce là, c'est quoi? And what is that grace? C'est l'amour de Dieu. It is God's love. Qui se manifeste en Jésus Christ. That is manifested in Jesus Christ. Que Dieu veut que nous puissions réaliser. That God wants us to realize. Tout commence là. Everything starts from there. Vous voyez ce que je vous dis? You see what I'm telling you? C'est la connaissance. That is the knowledge. Jonathan vient. Jonathan comes. Il voit David. And he sees David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18. We are in 1 Samuel 18. David. David. A fini de parler avec son père. He finished speaking with his father. 1 Samuel 18, 1 à 5. 1 Samuel 18, 1 to 5. Jonathan s'approche. Jonathan comes. Il va amener une connaissance. And he wants to bring a knowledge. Une connaissance. A knowledge. Qui va amener David. That will lead David. À la royauté. To royalty. Pour l'accomplissement de sa prophétie. For the accomplishment of his prophecy. En d'autres termes. In other words. Il veut apporter une lumière. He wants to bring a light. Il veut l'éclairer. He wants to enlighten him. He says you have the prophecy. C'est une lampe. That is a lamp. Mais cette lampe là. But that lamp. C'est ça qui vient en Jonathan. That's what came in Jonathan. Pour t'éclairer. To enlighten. J'avais dit au début. I said in the beginning. Quand on allume la lumière. When we put the light on. Tu auras la connaissance. You'll have the knowledge. De tout ce qui est qui se trouve dans la pièce qui est éclairée. Of what is in the room that was enlightened. Alors quand Jonathan vient, so when Jonathan comes, il s'approche. And he comes closer. Qu'est-ce qu'il fait en s'approchant? And what does he do? Il prend ses vêtements. He takes his clothes. Il lui donne. And he gives it to him. Quand David prend les vêtements, and when David takes the clothes, il les compare à ses vêtements. He compares it with his own. Il reçoit la connaissance. And he receives the knowledge. De la manière dont on s'habille. Of the way they need to be dressed. Dans le palais royal. In the royal place. Et de la manière dont il devait s'habiller. And how he needed to be dressed. Quand il deviendra roi. When he will become a king. Et automatiquement. And automatically. Il n'aimera plus. He will no longer like. S'habiller comme il était habillé. Excusez-moi la tautologie. To be dressed how he was dressed. Maintenant. Now, autre chose que Jonathan pouvait faire. Another thing that Jonathan could qui n'était pas bien. That was not good. C'est ce qu'on nous fait faire aujourd'hui. It is what we are asked to do today. David, on va prier. David, we will pray. Jonathan commence à prier. And Jonathan starts praying. Éternel Dieu. Lord God. Nous brisons l'esprit de manque de connaissances vestimentaires. We'll break the spirit of the lack of knowledge dans la vie de David. About dressing. Nous voulons chasser l'esprit de la brousse. We want to kick out the spirit of wilderness. Les sorciers qui t'ont lié. The sorcerers that bound pour you. Pour ne pas avoir la connaissance. For you to not have the knowledge. Dans le domaine royal. In the royal domain. Soit brisé. Let that be broken. Et si Jonathan avait pris cet angle. What if Jonathan took il allait avoir deux choses. Aspect. Two things première, would have happened first. David. David. Allait dire. Would have said. J'ai tué Goliath. I killed Goliath. C'est à moi que tu joues. And you are playing with me il that dit, Jonathan, way. Je suis pas ton ami. Jonathan, I'm not your friend. Je suis un homme de Dieu. I'm a man of God. Je suis un homme de Dieu. I'm anointed by God. Ils allaient avoir un problème. And they would have had an issue. Mais Jonathan, but Jonathan, il a procédé autrement. He proceeded differently. Il lui amène une autre éducation. He brought him another education. Maintenant, quand David prend les vêtements, now when David took the clothes, automatiquement il y aura une correspondance. Automatically, en fait, il va être à l'aise avec tous les gens de la maison royale. He will be comfortable with all those that lived in the royal palace. Et quand il mangera à la table, il sera pas différent. And when he will sit at the table, he will not be c'est different. Là où maintenant. And that is where il aura la possibilité. He will have the possibility. Because he saw the good heart Jonathan, of Jonathan. Ça va lui permettre de commencer à écouter facilement Jonathan. It will allow him to easily listen or, to Jonathan. À cette dimension, Jonathan devient Christ. So in this dimension, Jonathan c'est pour cela becomes quand Christ. Tu deviens enfant de Dieu. So when you become a child of God. Pour que tu prennes la décision de suivre Dieu. For you to take the decision Dieu to follow God. Quelque chose. God will touch something. D'une manière ou d'une autre. One way or another. Qui t'amènera à dire Dieu même. That will lead you to say c'est cette that God chose-là loves qui you. Doit te permettre à commencer à l'écouter. And that thing should allow you to listen to him. Et en continuant à les suivre. And as you continue to maintenant, le problème de l'église, c'est quoi? Now, the problem of the church quand vous finissez d'écouter ces choses, is that when you finish listening vous allez sur Internet, you will go on the Internet, vous voyez tous ces gens-là qui crient de gauche à droite, to watch all these qui proclament des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. That shout and proclaim things that have nothing ils vous montrent seulement le mal qu'on vous a fait. The evil that was done to au lieu maintenant de regarder sur Christ, so instead of looking vous to regardez Christ, les gens qui vous ont fait mal, you look at those that did you la haine wrong, remonte. And your hate comes. Et quand cette haine va remonter, hate rises. Ça dépose encore les ténèbres dans vos ténèbres. And that puts darkness again in your darkness. Et vous serez plusieurs fois entouré de ténèbres. And you'll be encountered by multiple darknesses. C'est pour cela dans des prophéties. Hein? And that's why prophecy, même lorsque les gens prophétisent. Even when people prophesy, excusez-moi avec tout le respect que je vous dois. Forgive me, même ici lorsque les gens prophétisent. Even when people prophesy, on dit, hein, it is said, va voir papa, go to see daddy, que tu lui dises tout, and tell him everything, que tu lui dises comment ceci, tell him this, comment tu as été violé, tell him how comment you tu as été abusé, how you were abused. Bien aimé, ça t'amènera nulle part. Beloved, it will not tu peux dire anywhere. Toutes ces choses-là. You may tell him all these things. Je vais bien. I
Mais si ta mentalité n'écoute pas la dimension d'haïr les inconnus to hate those who qui ont détruit ta vie, that destroy your life, tu ne sortiras pas de ce gouffre. You will never leave that pit. Tu seras accablé. You will be mais lorsque tu commences à regarder but when you start looking, la grâce qui est en Jésus-Christ, the grace that is in Jesus, ta façon de fonctionner the way you function va changer. Will change. Ta façon de vivre the way you live, va changer. Will change. Parce que tu vas commencer à réaliser because you will realize ce que Jésus a fait à la croix. What Jesus did on the cross. Je vais vous amener dans un exemple terre à terre. I will lead you to a simple example. Si on vous montre la passion de Christ, if you show you the passion of Christ, je ne parle pas de film, de l'entièreté du film. I'm not talking about the whole movie concernant Jésus. About Jesus. Non, je vais vous parler. I'm only juste speaking de la passion, about the passion. La face de la croix. The face of the cross. Nous tous, si on les met ici, on va pleurer. If we all watch it here, we will cry. Vous savez, on va pleurer pourquoi? You know why we will parce cry? Que quand on va regarder, because when we watch it, on va réaliser une seule chose. We'll realize one thing. Comment est-ce qu'un homme how a man peut accepter could accept de se donner pour toi et moi? Give himself for you and me. Nous qui sommes méchants. We that are evil. Et quand on va réaliser cela, and when we realize it, nous serons affectés par nos émotions, we'll be affected by our emotions, par nos sentiments, by our feelings, et on va pleurer. And we'll cry. Mais comme ce n'est qu'un film, but because it's only a movie, comme ce n'est qu'un film, as it's only a movie, dès que ça va finir, as soon as it will finish, tu reviens à ta vie. We'll go back to our own lives. Parce que because la connaissance the knowledge n'est pas en toi. Is not in you. C'est-à-dire que tu n'es pas en Christ. You are not in Christ. Tu es en Christ. Because when you're in Christ, étant lumière, being a light, tu deviendras lumière. You'll become a light. C'est là que Jésus dit. And that's why Jesus said, vous êtes la lumière de ce monde. You are the light of the world. Parce qu'il est lumière. Because he's a light. Maintenant cette lumière now that light a des dimensions. Has dimensions. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que tout ce qu'elle vient de lire là, do you know that everything that you c'est lié just à l'éclairage. Is linked to light, les grands luminaires, the great, le petit luminaire and the small one, et les étoiles. And the stars. Tout ce qu'on vient de citer, ça éclaire. Everything that is mentioned mais vous avez remarqué une chose. Hein? But you'll notice something. Il fit deux grands luminaires. He did two great lights. Le plus grand luminaire, the greatest one, pour présider, for, il donne une prophétie pour un but. He gives a prophecy il crée for pour un but. A name. He creates et tout ce qu'il fait dans ta name vie, c'est pour un but. And everything that is done in your life is for a name. Je continue. And I continue. Le petit luminaire, and a small one, pour présider la nuit, for the night. Donc il y a un but. So there le is petit, a name. C'est pour la nuit. The small one is for the le night. Le grand, c'est the pour les jours. And a great one pourquoi is for le the grand, day. C'est pour les jours? Why is the great one for the day? Parce que les jours, il y a déjà le soleil. Because during the day, there's already quand the le petit sun. Luminaire, and when you put the small le ones, petit luminaire ne saura pas transcender la force ou l'éclairage du soleil. The small ones will not be able to overcome the sun. Il fait ça avec intelligence. And he does it with intelligence. Même ton visage. Even your face. Ta taille. Your le mari height, que tu as épousé. The husband that les you enfants married, que tu as. The children that you have. C'est calculé par Dieu. It is calculated pour by God but for an objective. Il fit aussi les étoiles. And he also did the stars. Et vous remarquerez les jours. You will notice that on the voit day, pas les étoiles. We do not see the stars. Mais la nuit, but at night, on peut les voir. We can see à them cause du grand éclairage du soleil. Because of the sun. Mais écoutez. But listen. Mais c'est choquant. It is shocking. Parce que dans Genèse 1, because in Genesis 1, verset 3, verse 3, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. He said, "Let there be light," and the light came. Mais pourquoi il a besoin de toutes ces choses? But why does he need all these things? Pendant qu'il y a déjà les grands luminaires. While there's already a great light. Le plus grand. The greatest. La lumière. The light. Vous savez pourquoi? You know why? Quand Dieu dit que la lumière soit, when God says let there be light, and the light came, Dieu donne la possibilité au monde. God gives the ability to the world de commencer maintenant à fonctionner selon la pensée de Dieu. To start to function according to God's thought. C'est-à-dire avoir la possibilité de commencer à créer, à placer des choses, à subdiviser les temps, les époques, les périodes, ainsi de suite. Il donne cette possibilité. He gives the ability to man to divide, to classify things. Pour que lorsqu'il va faire ça, so that when he will do that, que les jours, that the day, les nuits, the night, soient partagés, will be divided. Tu peux mettre maintenant le verset suivant, s'il te plaît. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alléluia. La suite. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Très bien, c'est ça que je viens d'expliquer. On continue. Dieu vit que cela était bon. On continue. Ainsi, il y eut un soir
Et il y eut un matin. Très bien. Ce fut le quatrième jour. On a dit ainsi il y eut un soir. So there was an evening. Mais pourquoi on n'a pas dit ainsi il y eut un jour? But why did we not say that there was a day? Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. When God wants to do something in your life. Le soir vient avant. The evening comes first. Les ténèbres viennent avant. Darkness comes first. Le problème précède. Issues come first. L'accomplissement de la prophétie. The accomplishment Parce que dans la prophétie, il y a les chronos, there's the chronos et il y a les kairos. And there's the kairos. Avant que les kairos viennent, Before the kairos les temps comes, de la faveur, the time of favor, il y aura d'abord le soir, there will be the il y aura evening, d'abord des problèmes. There will be Dieu issues. Peut te dire pour ton enfant, God can say for your child, tu seras un grand monsieur. That he will be a great man. Il te dit ça, he tells you non this, pas pour jouer, not for you to non play, pas pour faire les spectacles. Not for, to do a show. C'est lorsque les choses seront contraires When you will see that things are que opposite, tu te souviennes that you will remember de ce que Dieu avait dit. What God said. Et je voulais dire ceci comme père. And I wanted to say this as a father. Un enfant sans combat n'est pas un enfant. A child without struggles is not a child. Un enfant sans combat is not a child. Est une destinée qui n'existe pas. A child that has no struggles has no si destiny. Si une destinée existe, if the destiny exists, le soir doit passer avant. The evening has to come first. Pour qu'il y ait le jour. For there to be a day. Maintenant, le problème c'est quoi? Now what is the issue? Le problème c'est pas la parole prophétique. It is not the prophetic Le problème word. C'est pas la personne qui reçoit la prophétie. The issue is not the person le problème, that receives c'est comment it. But how vivre maintenant do we live now pour l'accomplissement? For the accomplishment. Il faut être éclairé. You need to be enlightened. Pour la connaissance. You need the knowledge. Et cette connaissance? And that knowledge. C'est une tierce personne qui t'amènera ça. It is a third person that will bring it to you. 1 Timothée 4 verset 8. 1 Timothy 4 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Listen. Ici, je suis en train de dire ceci. Here I was saying this. Avant qu'on lise ce passage, j'avais dit we read that scripture, que la connaissance vient par une tierce personne. That knowledge comes through a third person. L'éclairage vient par une tierce personne. Enlightenment comes through a third person. Premièrement. Firstly. Et deuxièmement. Secondly. L'homme doit entrer dans l'exercice de la connaissance. That man has to come into the exercise of knowledge. Écoute ce que Paul dit. Listen to what Paul says. À Timothée. To Timothy. Timothée était un pasteur. Timothy was a pastor. Timothée, un pasteur. Timothy as a pastor. À ce temps, il était à Éphèse. At that time, he was in Ephesus. Et Paul est en prison. And Paul was in prison. Il écrit à son fils. And he was writing il to his son. Exerce-toi. And it says, exercise. À la piété. To holiness. Je voulais me reposer là. I wanted to stay there. Vous savez, la piété, c'est quoi? You know what holiness is? C'est l'art de la sanctification. It is the art of sanctification. C'est l'art d'être spirituel. It is the art of being spiritual. Il dit, exerce-toi. He said, exercise. À être spirituel. To be spiritual. Parce que si tu n'es pas spirituel. Because if you're not spiritual. Tu parleras comme un enfant. You will speak as a child. Tu raisonneras comme un enfant. You will reason as a child. Tu penseras comme un enfant. You will think like a child. Il dit exerce-toi, c'est un exercice. He said it's an exercise. Et tout le monde sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. And everyone. Depuis que Satan a été précipité. Since Satan was cast down. Depuis que Satan a attaqué Ève et Adam. Since he attacked Adam and Eve. Tout le monde connaît le bien et le mal. Everyone knows the difference. On dit exerce-toi. And he says exercise. Ce que j'aime, c'est la suite. What I love is the following. Mais car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça c'est choquant quand même. Because sport is not. Il lui met une comparaison. He compares. En parlant de l'exercice corporel. As he was speaking about sport. Dans les contextes, il parle du sport. He was speaking about sport, physical dit, exercise, and he said. Le sport est utile à peu de choses. Sport is only good for a few things. On ne dit pas que c'est inutile. It's not said that it's useless. Mais c'est utile. It is useful. On dit c'est utile. It is useful. Mais à peu de choses. But only for a few things. À ce que je te demande. Compared to what I'm asking. Je ne dis pas de ne pas faire les sports. I'm not saying to not do any sport. Je ne t'interdis pas de le faire. I do not stop you from doing. Enlève it. Maintenant les sports. But now take away sport. Mets autre chose. Put something else. Je ne t'interdis pas de regarder les séries. I do not stop you from watching series. Je ne t'interdis pas d'aller au restaurant. I'm not telling you not to go to a restaurant. Je ne t'interdis pas d'avoir des amis. I do not tell you not to have friends. Je ne t'interdis pas le Facebook. I'm not telling you not to be on Facebook. Je ne t'interdis pas le téléphone. I'm not stopping you to Je be on the phone. Je ne t'interdis pas le théâtre. I'm not stopping you from watching series. Le théâtre ivoirien. Ivorian Le théâtre congolais. Congolese series. Je ne t'interdis pas ça. I'm not stopping you from it. Mais toutes ces choses-là sont utiles. But all these things are only useful. À peu de choses. For a few Mais things. Exerce-toi. But exercise à être spirituel. Yourself to be spiritual. Écoutez.
Listen. On dit maintenant, tandis que la piété est utile à tout. Is useful for everything. Et quand tu es spirituel, so when you're spiritual, tu vas discerner les choses. You will discern things. Mais le pire, c'est quoi? But the worst is what? C'est à toi de faire cet exercice. You have to do that exercise. T'as pas besoin d'un entraîneur. You do not need a coach. C'est l'exercice que David faisait. And that old David was doing. Il commence à s'exercer lui-même. He started to exercise himself. Il tue Goliath. He kills Goliath. Quand il rencontre l'entraîneur, and when he encounters the coach, il l'écoute. He listens to celui him. Celui qui ne s'éduque pas, the one that doesn't educate ne sera himself jamais éduqué. Will never be educated. Ton problème de la tétutesse, hein? Your problem with your stubbornness. C'est ta façon de raisonner. It is your, the way you reason. Donc c'est ta culture. Your culture. Et c'est ta façon de penser. The way of thinking. C'est ce que tu as appris. That's what you learned. Ta mère ne t'a jamais dit non. Your mother never stopped you. Maintenant, quand tu commences à parler comme un homme, now as you start speaking tu like ne raisonnes man, plus comme un enfant. You do not no longer think as a child. Toi-même, tu vas commencer à traiter certaines choses. You start to resolve certain things. Et Dieu te suscitera un entraîneur. And God will bring about a coach. Qui va t'entraîner à continuer à exercer la piété. That will coach you to continue to exercise l'art a holiness. L'art d'être spirituel. The art to be spiritual. Tu peux ne pas être impudique. You may not be sexually immoral. Moins encore adultère. Or even adulterous. Parce qu'il te manque l'argent. Because you lack money. Tu n'es pas spirituel. You're not spiritual. Tu manques des occasions. You lack occasions. La lumière. The light. La prophétie est une lumière. The prophecy is a light. Mais cette lumière là, but that light, c'est à nous de l'allumer. We need to bring it on. C'est pour cela. And that is why. Tu peux avoir le Saint-Esprit. You may have the Holy Spirit. Mais le Saint-Esprit n'agit pas. But the Holy Spirit is not acting. Parce que le Saint-Esprit se révèle aussi comme une lumière. Because the Holy Spirit is also revealed as c'est a light. C'est ça la Bible dit. That's why the Bible dans says. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessalonians 5. Verse 19. N'éteignez pas l'esprit. Do not shut down the spirit. Tu l'as éteint en toi. You shut him down in mais yourself. Mais dans la vie d'autres personnes, le Saint-Esprit agit encore. But in the life of others, the Holy comme Spirit Esaïe, is still chapitre 9, working in like Isaiah 9. Verset 1er. Verse 1. Le peuple qui est dans les ténèbres, the people that are in voit la lumière, saw the light, dans la vie d'autres peuples, in the lives of other people, qui étaient dans l'ombre de la mort, that were in the shadow of parce death, que eux, ils ont compris, because they understood, la lumière est apparue, that the light appeared. Je suis à la fin de mon sermon. I'm at the end of my message. Et que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you.